Peuple haïtien, comment nous? On connaît, nous pas habitués, ouais, sans moustache là. Donc, babla font un petit mais je veux dire, c'est pas ça qu'objectif et vidéo. Ma fait une vidéo ça, je veux dire, par rapport à communiqué 19 novembre. Je me réagi sur lui d'ailleurs, et je me tourné sur lui, du gouvernement Canada. Et dernier communiqué en date gouvernement américain qui mettait nous sous liste OFAC. Donc nous gagnons tout respect pour officiel gouvernement Canada ou bien officiel gouvernement américain. On pense que c'est des fonctionnaires qui ont fait travail. Même gens tout, nous-mêmes, en époque, nous étions fonctionnaires, nous avons fait travail. Nous connaissons comment ça marche. Nous n'avons aucun rigueur, nous n'avons aucun problème contre nous. Ça m'a dit, au nom du principe du contradictoire, et bien content, que ce soit la loi sur les sanctions aux États-Unis, que ce soit la loi sur les sanctions au Canada, yo mettez des mécanismes à la disposition nous pour nous bail contre-argumentaire par nous. Et ce que nous commençons à faire au Canada et que nous avons fait de la semaine prochaine et aux États-Unis. Donc, m'a dit tout haïtien, rete tête frette. Je dis à ça qui est important dans le pays, ce n'est pas Gary Baudot qui est président de la Chambre des députés et qui a un problème avec des gouvernements étrangers. Ou bien des gouvernements étrangers qui ont un problème avec, donc par transitivité, on dit qu'il y a un problème avec des gouvernements étrangers, il n'y a un problème avec personne en ce qui me concerne. Je n'ai rien fait pour mériter ça. Et probablement, et ça me nous connaître, c'est que je ne suis pas suicidaire. Nous pas besoin de moi prendre un hôtel. Nous pas besoin de moi d'altercation dans la rue, soit avec un monde qui bat moi ou bien que mon cartouche par hasard, etc. Non, non, Gary Baudot, pas suicidaire. Donc, pour avoir étudié la psychologie, etc., je sais comment me maintenir par rapport à toutes ces allégations, tout ça qui a venu, etc. Donc, nous prêts pour nous prendre responsabilité, nous. Mais espérer que le gouvernement haïtien ne va pas faire persécution politique. Mais même disponible. Moins prêt. N'importe le gouvernement en Haïti, la justice dans le pays, moi, le premier monde qui a accusé sur la tête, tout le monde a le droit pour défendre la tête. D'ailleurs, nous comprendre ça. Communiquer ça aux sorties à la, pas fait de moins, on fugitif. Communiquer ça aux sorties à la, pas fait de moins, on délinquant. Communiquer ça aux sorties à la, pas fait de moins, on criminel. Seulement, je vais faire des interviews pour m'attaquer des fonctionnaires et qui ont fait travail, etc. Ça, ce n'est pas moi. Je vais être un homme d'État jusqu'au bout. Cependant, la loi sur les sanctions aux États-Unis, bail des procédures, m'entend utiliser dans la sérénité, dans toute discrétion, ça m'a dit. La loi sur les sanctions au Canada, bail des mécanismes, m'entend pour m'utiliser dans la paix et la sérénité. Donc, tout journaliste qui a souhaité bon interview avec moi, etc., pour me faire des envolées, ouais, dit débat célèbre, caprété, etc. Et, mais c'est jouer doucement. Donc, tout le monde a le droit pour défendre la tête. Et, loi sous sanction aux États-Unis, vous mettez des mécanismes pour ça, qui est clairement défini. La loi sur les sanctions au Canada mettez des mécanismes sous ça, qui est clairement défini. Donc, il y a eu des arguments qui ont été rendus publics. Il y a des contre-arguments qui ont venu. Donc, la presse par un tribunal, il y a toujours à combattre ça en Haïti. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, comme si chaque ça m'a fait, m'a sorti une note de presse, on communiqué, etc. Ça va être important. On va attendre sur le dossier ça. Mais ça seulement qu'a assuré nous, c'est que tout mécanisme légaux qui mettait à la disposition nous au Canada ou bien aux États-Unis n'a pas utilisé. Maintenant, pour peuple haïtien,
Je dis, nous, ça a passé en deux pays. Ça a passé en deux pays. Il y a des rapports, il y a des événements. Donc, il y a un pile de bagages qui passent dans le pays, là, je dis. Donc, je dis, peuple haïtien, ressaisis. Les pays qui te connaissent, plus gros événements, bah, c'est ça. Qui te connaissent plus de problèmes, bah, c'est ça, mais qui sortent. Je demande à l'élite pays à ressaisir. Peut-être, pour mon honnête, ce que je toujours peut-être que dans les trois dernières années, la crise qui s'est passée dans le pays, peut-être que moi-même, de l'autre acteur, le président qui a été assassiné, les anciens premiers ministres, les élites économiques, l'Église, la classe politique, peut-être que nous ne mettons pas à la hauteur pour nous faire des discussions. Pour nous déjouer un accord sur des accords, nous. Probablement, qui mène nous côté nous y est là. Donc, nous pas prêter là, m'a dit.